Bonjour Dorian Gosse, bricoleur à domicile. Je vais vous présenter comment poncer et vernir un élément en bois. Ici, cette caisse. Le papier de verre comporte plusieurs grains. Des grains qui sont plus ou moins gros. En fonction du travail qu'on va avoir à faire, on va choisir la bonne granulométrie. Pour poncer une surface lisse, de façon homogène, on va utiliser ce qu'on appelle une cale à poncer, sur laquelle on va venir fixer un morceau de papier de verre. On va commencer le ponçage. Ensuite, on va passer à un grain plus fin pour le travail de finition juste avant l'application du vernis. Ça y est, on a bien poncé tout l'ensemble des parties de la caisse. On va maintenant procéder au vernissage. On verse notre vernis dans le bac. On va commencer le vernissage au pinceau. Maintenant qu'on a bien dégagé les angles et les poignées, on va pouvoir faire la finition avec le rouleau à vernis sur les surfaces planes. Et on va commencer à vernir directement. Voilà, notre première couche de vernis est passée. Avant la deuxième couche, on attendra 4 heures de séchage et on aura un fini parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Minute Déco ou sur mon site internet dodolebricolo.fr.